Je bosse avec Snake. Le frère de Terry? Des quartiers nord, donc c'est un voleur, c'est ça? Je te promets qu'il y a des ronds à se faire. J'assemble des ordinateurs. Ouais, mais je te dis de faire attention. T'imagines la tête de Malik si tu te fais arrêter pour recel? Ordinateur prix imbattable et garantie Samia, ça te dit? Je marche. Je te garantis que Barjac s'en sortira pas. Nous savons que Barjac est en possession d'un document très compromettant. Ce document se trouve dans son bureau. Céline est la seule personne qui peut encore avoir accès au bureau Barjac. Il suffit de la convaincre de nous aider. Vous me demandez de trahir Florent? Céline, vous allez lier votre avenir à celui d'un criminel. Florent enverrait des vaccins bidons en Afrique pour tester son sérum contre je ne sais quel virus. Elle pourrait commencer à douter de Florent. Florent, est-ce que tu m'as déjà menti à propos de tes activités? Je vous demande d'empêcher la mort de centaines d'innocents. Dites-moi plutôt ce que je dois chercher. Un document qui est dans la mallette. Il porte une inscription, opération humanitaire Mali. J'ai des infos. Est un peu trop vague pour accuser Céline. C'était pas net. Elle avait l'air sur le qui-vive. C'est la seule personne en qui j'ai entièrement confiance en ce moment, tu comprends? Mais on a déjà pris suffisamment de risques ces derniers temps. Tu t'es aussi rendu coupable de beaucoup d'approximations. Son père lui a parlé, vous le savez. Qu'est-ce que tu proposes? Il faut qu'on redouble de vigilance. Les flics nous laissent tranquilles, mais Castelli peut très bien agir en solo, avec Damien Marat et peut-être même Frémont. Il faut retarder mon départ. Si Céline a donné l'heure de mon avion, je vais me faire cueillir. T'as peur, c'est ça? Ouais, j'ai peur. Ouais. J'ai peur que l'amour vous rende aveugle. C'est vrai, t'as raison, Luigi. On n'est jamais trop prudent. Je vais prendre des dispositions. Tout ira bien. Je te le promets. Pourquoi c'est triste? Tu sais que tu peux tout me dire. Absolument tout. Vraiment? Tu n'as plus confiance en moi. C'est juste que j'ai toujours l'impression d'être du mauvais côté de la barrière. D'être toujours du côté de la souffrance. Mais tu penses encore à ces histoires atroces, à ces massacres en Afrique? J'ai du mal à penser à autre chose. Ton père a voulu me salir. Bien sûr. Mais tu me crois, n'est-ce pas? Je voudrais que tu partages tout avec moi. Même ce qu'il y a de plus secret. Moi, je crois surtout qu'on a besoin de vacances tous les deux. Oui, ça doit être ça. Tu te souviens de notre petit voyage de fiançailles? Hein? Et si on partait le week-end prochain? Pourquoi pas? Parfait. Tu pourras me déposer au bureau? Tu me laisses juste le temps de passer un coup de fil. Oui, Sandrine, c'est moi. Changement de programme. Vous appelez l'aéroport, vous décalez le vol de Luigi, et puis vous lui commandez un taxi qui passera le prendre chez lui. Merci. Qu'est-ce que ça te fait de te retrouver devant un beau matos pareil? Ça va me changer de celui qu'on a au commissariat. D'après Samia, il n'y a rien de mieux sur le marché. Il est bourré de mégahertz, de mégaoctets... C'est Samia qui te l'a vendu? Bah oui, elle m'a fait profiter d'une affaire qu'elle avait sous le coude. Bah vas-y, essaye-la si tu veux. Elle n'est pas toute neuve, ta machine, hein? On s'en fout de l'extérieur. Hein. C'est ce qu'il y a dedans qui compte. T'as tout à fait raison. Hein. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas tout me l'abîmer? Un petit diagnostic. Mais t'inquiète pas, c'est gratuit. Diagnostic? Mais t'es nul en informatique. Les composants sont flambant neufs. Je te l'avais dit. T'as payé ça combien? 500 euros, l'affaire du siècle. L'affaire du siècle, tombée des camions, ouais. Et pourquoi tu dis ça? Mais parce que ça pue le matos volé. Ah, tu te mets à soupçonner Samia, toi, maintenant? Non, mais je constate simplement qu'elle t'a vendu pour une bouchée de pain, une machine neuve planquée dans un boîtier pourri. Tu sais ce que t'es? Un flic parano, voilà ce que t'es, bien trop sûr de lui. Peut-être, ouais. Mais je vais quand même relever les numéros de série, histoire d'en avoir le cœur net. Vas-y, pour te ridiculiser, comme la dernière fois. Quoi? Quelle dernière fois? Serge, et le coup des montres, t'as oublié? Ça va, je me suis trompé une fois, c'est pas... Eh ben ça fera deux, en Paris. Ouais, en Paris.
C'est intéressant. Hein? Ça parle de quoi? Rien, c'est un journal de tiercé. Roland, pourquoi as-tu acheté ce journal? Je ne l'ai pas acheté, c'est un client qui l'a oublié. Il a gagné plus de 5000 euros la semaine dernière, tu te rends compte? Tu devrais le mettre à la poubelle. Oh, pourquoi? Jette un œil. Non, tu le dévores des yeux. Bon, ça m'occupe l'esprit, d'accord? S'il y a quelque chose qui te tracasse, tu peux en parler. Le jeu, c'est pas une solution. Bon, arrête de me houspiller, Rachel, s'il te plaît. C'est le départ de Solange, le retour de Myrta, la mort de Carole. Qu'est-ce que tu veux savoir? Si c'est drôle de se rendre compte qu'on va finir sa vie tout seul? Ben non. Tu sais, je connais le problème. C'est pas une raison pour faire n'importe quoi. Bon, c'est pas parce que je lis un journal que je vais faire une couillonnade. La dernière fois que tu as touché au jeu, tu y as laissé ta voiture. C'était il y a 30 ans. Le jeu, c'est comme l'alcool. Quand on a été dépendant, il faut pas y revenir même une seule fois, sinon on replonge. Tu vas me laisser vivre, oui? T'as peut-être oublié ce qu'a enduré Mireille. Ben moi, je m'en souviens très bien. Elle avait peur de se retrouver à la rue. Bon, écoute, Mireille, elle est plus là. Moi, j'ai 60 piges et je sais ce que je fais, d'accord? S'il suffisait d'être vieux pour être raisonnable, ça se saurait. Oui, ben, j'ai pas l'intention de vivre comme un moine. Mais on s'en demande pas tant. Ah ben, parfait. Parce que si j'ai envie de me faire un petit tiercé par-ci, par-là, dis-toi bien que c'est pas toi qui vas m'en empêcher. Céline Frémont vient de me téléphoner. Barjac a décalé le départ de Luigi. Vous pensez qu'il se doute de quelque chose? Un taxi va passer le prendre devant chez lui. Je te prie de croire que je serai là pour l'intercepter, lui et les faux vaccins. Après, ce sera un jeu d'enfant de faire tomber Barjac. Oui, ça me paraît presque trop simple. Tu devrais être content. C'est l'aboutissement de toute ton enquête. Content, je ne sais pas, Léo, mais je serai soulagé quand Barjac sera sous les verrous. Je voudrais m'excuser pour hier soir. Je m'en suis pris à toi alors que tu pouvais rien faire. Merci de le reconnaître. Cette affaire me tient pas seulement à cœur, elle me maintient en vie. Vous vous battez pour la mémoire de Carole, Léo. Comme je vous comprends. Et Céline Frémont? Elle ne sera pas inquiétée. Non, c'est pas ça que je veux dire, si Barjac s'en prenait à elle. Il n'y a aucune raison qu'il la soupçonne de l'avoir trahi. On ne peut pas en être sûr, sa vie pourrait être menacée. Où tu veux en venir? Faut la protéger. Pas question d'alerter Barjac en agissant trop vite. On ne peut pas laisser Céline se débrouiller toute seule avec lui. Dès qu'il sentira l'étau se refermer, cet homme-là sera prêt à tout. C'est bien, Lucas, c'est bien, allez! Allez, ouais! J'y arrive pas! Essaie de relâcher avec les bras. Oh, Lucas! Merde! C'est pas grave, on réessayera. C'est ta mère qui est allée concentrer. Moi? Il était presque arrivé. Arrivé à quoi? À s'appuyer sur les pieds. Qu'est-ce que c'est que cette rééducation sauvage? Le médecin a dit qu'il fallait le faire travailler au maximum. T'as vu dans quel état tu l'as mis? Il est en nage. Ça va, mon chéri? Oui, ça va, ça va. On recommence? Ah non! Il faut prendre ton temps. Si tu brûles les étapes, ça peut avoir des effets désastreux. Ça va, arrête de me materner, maman. Je vais voir un coup. Qu'est-ce que je lui ai dit? Il a envie de marcher. S'il veut marcher un jour, il faudra bien qu'il apprenne la patience. Mais surtout, arrêtez de le regarder avec un air désolé. Je vais boire un coup. Tu connais pas la dernière? Non. C'est à propos de Roland. Écoutez, Rachel, j'ai pas la tête à jouer aux devinettes, là. J'ai l'impression qu'il va replonger dans le jeu. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je l'ai surpris avec un journal de tiercé entre les mains. Oui, bon, et alors? Parce qu'il t'a rien dit? Il t'a jamais parlé de ça? Écoutez, Rachel, là, je suis dans les factures jusqu'au cou, j'ai la tête comme une citrouille, alors si vous pouviez être plus claire. Il y a 30 ans, Roland jouait. Ah bon? Personne n'est au courant, mais moi, oui. Mireille m'avait fait des confidences. Et il jouait beaucoup? Oh, plus que ça, ma pauvre. C'est une véritable drogue pour lui. Mais moi, je n'ai rien dit. Grâce à Mireille, il a réussi à s'arrêter avant d'y perdre sa chemise. Alors, c'est pour te dire. Et pourquoi vous me racontez tout ça? Roland m'a dit qu'il se sentait seul. Et alors? C'est à cause de votre rupture qu'il est dans cet état. Non, c'est à cause de sa rupture avec Solange. Il n'en avait rien à faire d'elle. Quand je suis partie, il n'a rien fait pour me retenir. Et quand je suis revenue, il a refusé la main que je tendais. Alors maintenant? C'est pas parce que vous vivez plus ensemble que tu n'as plus aucun sentiment pour lui, non? Au moins de l'amitié. Il a peut-être besoin qu'on lui tende la main. Écoutez, Rachel, je ne veux plus m'occuper de la vie des autres. Ça m'a coûté beaucoup trop cher.
Décidément, on ne se quitte plus. Ça ne va sûrement pas durer. Si vous êtes venu pour me remercier et me rappeler que j'allais sauver des centaines de vies humaines, c'est inutile. Non. Je suis venue pour vous protéger. Me protéger? Contre qui? Contre Florent? Quand il saura que Luigi est arrêté, il pourra avoir une réaction violente. De toute façon, ma vie n'a plus aucun sens. Pensez à ce que vous m'avez dit hier. Votre geste peut sauver Florent. C'est stupide ce que je vous ai dit hier. Mais peut-être qu'un jour, il comprendra ce qu'il a fait. Peut-être qu'il réussira à se racheter. Vous lui offrez cette chance. Mais je vais le perdre. Je pourrai plus le toucher. L'embrasser, vous comprenez? Oui. L'homme qui a fait brûler un village. L'homme qui a tué des centaines d'innocents. Ce n'est pas mon Florent. Même les pires criminels ont plusieurs facettes, plusieurs visages. Mais comment j'ai pu me tromper à ce point-là? Il y a un point sur lequel on se rejoint toutes les deux. C'est sur notre façon d'aimer, disons, sans concession. En même temps, il faut penser à vous et à votre sûreté. Je m'en fous. Mais venez avec moi, le temps que les choses se tassent. Je veux revoir Florent. Le voir encore une fois. C'est de la folie. Je suis folle, c'est bien connu. Prenez au moins ce mini-émetteur sur vous. Il vous permettra de garder le contact avec Léo Castelli en cas de problème. Non, je n'en veux pas. J'aurais l'impression de trahir Florent une deuxième fois. Mettez au moins ce truc dans votre sac. Non. Je m'en vais. Mais réfléchissez bien. Ne mettez pas inutilement votre vie en danger. Bon, alors c'est sûr, on aménage vendredi. Ouais, à midi. Ah, et à midi 5, on est chez nous. Bon, t'as préparé tes sacs? Attends, mais t'as pas remarqué que ça fait 3 jours que je mets le même t-shirt et le même jean? Ça va être cool. Ça va être mortel, tu veux dire. Tu crois qu'on va s'engueuler? Ouais, mais c'est normal de vider son sac. Et je te préviens, je suis bordélique. Toi aussi? Mmh. Ah bah, ça va être le souk dans l'appart. Hein. Et Malik, il est revenu à la charge pour te faire abandonner la coloc? Tu parles, il est rentré du boulot vers minuit et ce matin, je l'ai même pas vu. Bonjour. Je peux te parler une minute, Samia, s'il te plaît? Me parler de quoi? J'ai juste une ou deux questions, t'en fais pas. C'est le genre de proposition qu'on peut pas refuser à un flic. Bah, je vous écoute. Bon, moi, je vous laisse. Je reprends mon boulot dans un quart d'heure. Et puis, la cuisine est pas trop, hein. Elle est innocente. Je ne regarde pas Lucas avec un air désolé. D'accord, j'aurais pas dû dire ça. Parce que c'est faux. Ah, Myrta. Bonjour, François. Quelle bonne surprise. Bonjour, Myrta. Je vous dérange? Non, non, pas du tout. On avait presque fini. Assieds-toi. Non, j'ai pas le temps. En fait, je suis venue pour vous parler de Roland. Il paraît qu'il s'est remis à jouer. Ah bon, comment tu le sais? C'est Rachel qui m'en a parlé. Visiblement, il a eu quelques problèmes avec le jeu dans le temps. Oui, enfin, si on veut. Ça t'inquiète pas plus que ça? Mon père est adulte responsable. Oui, mais enfin, Rachel avait l'air très inquiète. Hein. Rachel exagère tout, c'est d'histoire ancienne. Bon, enfin, je voulais vous prévenir. Hein. C'est gentil de ta part. J'aurais dû le faire moi-même, mais en ce moment, dès que j'approche ton père, il prend des airs de fauve prêt à rugir. T'inquiète pas, il a jamais mordu personne. Bon, ben, je vous laisse, hein. Non, ne te dérange pas, François, je connais le chemin. T'es vraiment très zen. Pourquoi? D'après ce que tu m'as dit, ton père a quand même failli perdre tout ce qu'il possédait à cause du jeu. C'était il y a 30 ans, une autre époque, une autre vie. Mais comment tu peux en être aussi sûr? Avec tout ce qui lui est arrivé ces derniers temps, peut-être qu'il va pas bien. C'est pas parce qu'il a fait un petit tiercé que c'est la fin du monde. Ça commence par un petit tiercé, ça finit par un découvert abyssal à la banque. Mais il est pas non plus en train de jouer au casino. Mais promets-moi que tu vas lui parler. Je vais lui faire la morale, il va m'envoyer sur les roses, j'aurai fait mon devoir. Samia, j'ai démonté l'ordinateur que t'as vendu à Thomas. Dis donc, c'est du bon matériel à l'intérieur. C'est pas le top du top non plus. Et c'est toi qui as assemblé toutes les pièces détachées. Ben oui. Et tu sais d'où elles proviennent ces pièces? Ben non. Ben, de toute façon, ça me regarde pas d'où elles viennent. Ah si, elles sont volées, ça te regarde. Surtout que maintenant, t'as 18 ans et t'es responsable devant la justice. Mais pourquoi vous me dites ça? J'ai rien fait de mal.
Écoute, Samia, j'ai rien contre toi. Mais j'ai relevé les numéros de série et il y a beaucoup de chances que ce soit du matériel volé. Non, c'est pas possible. Je vous crois pas. Arrête ton numéro, s'il te plaît. Et dis-moi d'où proviennent ces pièces. Tu préfères qu'on termine cette conversation au commissariat dans une ambiance moins amicale, tu vois ce que je veux dire? J'ai acheté tout un lot aux puces aux Arnavaux. Le type m'a dit qu'elle provenait d'Asie, alors j'ai cru que c'était vrai. Et t'en as d'autres de pièces? Ah non, je vous promets. Samia, c'est bien de vouloir s'assumer, mais ça sert à rien de faire n'importe quoi. Alors on va en rester là pour aujourd'hui, mais les ordinateurs en kit, c'est terminé, d'accord? Tu bouges pas! La mallette! Pose-la par terre. Où est la clé? De quelle clé vous voulez parler? Joue pas au malin. Dans quelle poche la clé? On se retrouve, hein? Tu te souviens de moi? Sur la falaise. Je pense que vous devez vous tromper de personne. C'est ce qu'on va voir. Où sont les faux vaccins? De quoi vous voulez parler? Les flacons contenant le virus ordure! Chez moi, je comprends rien à ce que vous racontez. Ah, tu comprends pas? Tu réagis pas trop vite. Toi aussi, tu t'es fait avoir. Apparemment, ton patron a décidé de te sacrifier. Allô, Luna? Céline Frémont est avec toi? Non, ça a foiré. Je te tiens au courant. Et merde, merde! Tu veux partir maintenant? Ah oui, c'est ma petite surprise. Je peux pas quitter le bureau. On est mardi. C'est pas grave, ça. Tu leur diras que t'as une urgence. Je t'emmène dans un petit endroit de paradis. Faut que je fasse mes bagages. Mais on achètera tout sur place. On va être tous les deux, rien que tous les deux. Florent, tu me fais mal. Je préfère attendre un peu. Malheureusement, c'est impossible. Oui, mais j'ai prévenu personne de mon départ. C'est pas grave, ça. Comme ça, on sera pas dérangés. Eh bien, c'est comme si on s'évadait. Comme si on était en cavale. Tu trouves pas ça romantique? Florent, t'as l'air bizarre. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Je ne supporte plus toutes ces choses qui t'éloignent de moi. Je veux qu'on soit ensemble tout le temps. Pour toujours. Non. Mais si, c'est ça que tu veux, n'est-ce pas? Allez, viens, on n'a plus une seconde à perdre. Tu diras à Lucas que je lui rendrai son ordi dans 2 jours. Tu vas le réparer? Non, le booster un bon coup. Je l'avais promis. Bah si tu veux, tu peux l'attendre, il est chez le kiné, il va pas tarder. Non, ça va, j'ai plein de trucs à faire. Et ça se passe comment avec Snake? J'ai pas trop envie d'en parler, c'est en train de tourner la galère, là. Ouais, c'était bien du matos volé, alors. Laisse tomber, Johanna, ok? En tout cas, tu sais, Lucas, il... Oui, je sais exactement ce que ressent Lucas. Et toi? T'as vraiment tourné la page? Tu penses plus du tout à lui? Mais si, je pense à lui. Et un peu, beaucoup? Passionnément, à la folie. Dis donc, petite sœur, tu serais pas en train de te mêler des affaires des autres? Allez, ciao, Bella. Je te cherchais, Samia. Je t'apporte un lot de pièces. Faut que tu montes les machines en vitesse, j'ai 2 livraisons demain. Je vais pas les prendre, tes pièces, mec. Quoi? J'ai trouvé un autre boulot. Moins bien payé, mais plus régulier, tu vois. Alors, on en reste là. Attends, c'est à cause de ce qui s'est passé hier, c'est ça? Entre autres. J'aime pas qu'on essaie de m'embrasser en traître. Ok, j'ai déliré. Mais je te respecte. Tu le sais, ça. Écoute, mec, c'est pas la peine d'insister, j'arrête. Samia, m'oblige pas à me fâcher, d'accord? Tu t'es engagé avec moi, on a un deal tous les deux. Je veux plus monter des ordinateurs avec des pièces volées. C'est clair comme ça, t'as compris? C'est toi qui as pas compris, d'accord? Tu dois finir ce que t'as commencé. Oh, tu me fais pas peur, hein? Ah ouais? Et dis-moi, hein? C'est quoi ça? Hein? Tu serais pas en train de monter ton petit business en solo parfois? Mais non, c'est à mon mec, je vais juste le réparer. Mais t'es malade! Désolé, ça m'a échappé. Va te faire foutre, espèce de connard, avec tes plein de zonards à 2 balles, là.
Je veux plus te voir, t'as compris? Plus jamais! Ça, c'est moi qui décide, d'accord? Le prends pas mal, hein. Mais non, au contraire. J'apprécie que tu te fasses des soucis pour moi, alors. Il y a aussi Myrta et Blanche. Oui, on veut moins les bonnes femmes, hein. Tu t'es remis à jouer ou pas? Non. C'est Rachel? Elle a fait sa petite tournée cancan, c'est ça? Mais j'en sais rien, je te dis ce qu'on m'a dit. Ben c'est ça, oui. Tu fais le messager, le petit télégraphiste, Blanche sonne tout, tout, et tu accours, et voilà. C'était pas Blanche qui est obligée de te couvrir quand tes partenaires de poker venaient réclamer leur pognon à la maison. C'était moi. Bon, écoute, ça va. Je regrette ce que je t'ai fait subir. Voilà. Mais c'était il y a longtemps, il y a prescription, non? Oui. Seulement, tu passes un cap difficile, on se demande si t'es pas en train de te laisser aller. Bon, écoute, François, on va mettre les choses au point. J'ai fait une connerie, soit. Mais c'était il y a 30 ans. C'est du passé, mort et enterré, alors on n'en parle plus. D'accord? D'accord, on n'en parle plus. Et si aujourd'hui j'ai envie de miser sur une petite course, eh bien je n'accepterai pas la moindre remarque. D'accord. D'ailleurs, Gaston Villardi vient de me donner un excellent tuyau pour demain. C'est vrai? Attendez, moi je mets 10 euros. Ok, 10 euros sur le 10, passez à la cinquième, dit. Oh là 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 là. On va faire un voyage inoubliable. Je n'aime pas l'eau, tu sais. Ça me fait peur. Avec moi, il ne t'arrivera rien. Florent, je ne peux pas partir. Je ne mérite pas de te suivre. Mais comment peux-tu dire une chose pareille? Je t'ai trahi. J'ai prévenu les flics. Mais voyons, je sais ça. Mais alors? Qu'est-ce que tu vas faire de moi? Ça n'a aucune importance. On va être heureux. Le début d'une nouvelle vie, Céline. Plus un geste, Barjac. Posez doucement la mallette par terre. Sinon quoi, capitaine? Vous allez tirer? Vous savez ce qu'elle contient, cette ampoule? Un concentré de virus de Marbourg. Le genre qui peut contaminer tout Marseille. Faites pas n'importe quoi. De toute façon, vous êtes coincé. Laissez-nous partir. Vous aurez la contamination du Mistral, multipliée par 1000.